calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time, walking in our midnight wonderland. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, et on est rentré il y a deux jours de New York. Faut savoir que depuis New York, en fait, je suis tombée malade. J'ai attrapé froid là-bas et ça s'est transformé en super grosse rhino. Donc j'ai une grosse bronchite, le nez qui coule, otite, bref, la totale. Mais moi, c'est pas le pire. Le pire, c'est Elias. Dans l'avion, il m'a fait 42 fièvres. Je suis partie aux urgences directement quand je suis arrivée de l'aéroport. Donc à peine j'ai atterri, on a pris nos bagages. Ma soeur est venue nous récupérer. Je suis allée aux urgences et Elias, du coup, a attrapé une angine avec une otite. Il était à 42 fièvres. Franchement, c'était 6 heures de vol, hyper long parce que il avait hyper chaud. On l'a laissé en slip dans l'avion. On est rentré et depuis deux jours, bah, je suis avec lui. J'ai pas voulu le mettre à l'école parce que le docteur m'a dit que vendredi il pourrait repartir, mais aujourd'hui il éternue et le nez qui coule, donc non, j'ai préféré le garder. Je lui ai fait faire son bain, vraiment une sale tête. Je lui ai fait faire son bain et je vais aller le rincer, tout ça, tout ça, tout ça. Ma maison est dans un sale état. Je suis clairement pas motivée pour faire quoi que ce soit. D'autant plus parce que je suis malade, mais aussi parce que j'ai pas envie. Mais j'ai pas le choix, il faut que je me bouge, faut pas que je reste dans cet état parce que ça va me détruire. Et je sens que je suis dans un mood pas du tout motivé, mais tout est dans la tête. Donc ma foi, j'ai envie de vous dire, on va se motiver. Ça va faire presque un mois que mon papa est parti, là c'est le quatrième vendredi, donc il y a 4 semaines. Ça fait que 4 semaines, mais en même temps ça fait déjà 4 semaines quoi. Ça fait trop bizarre. Et il n'y a pas un jour et il ne manque pas. Donc je vais me motiver, je vais tout ranger, je vais m'occuper d'Elias et puis bah, let's go guys. Aujourd'hui, on a la fête surprise pour mon frère, pour son barreau. Donc en fait, ma sœur a organisé un goûter et il y aura aussi un dîner. Mais il y a aussi la galerie de Gigi, parce que du coup, Gigi, elle affiche ses peintures dans une galerie aujourd'hui. Et
Je me suis dit que j'allais lui faire la surprise d'y aller. Sinon, est-ce que je dois préciser que j'ai les cheveux gras? Ça fait genre une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. Je suis en grève totale, mais genre vraiment totale. Faut absolument que je me bouge. D'ailleurs, je voulais vous montrer... Ah oui, je vous ai même pas raconté ma vie depuis le temps. J'ai reçu en fait une table que j'ai commandée sur Menzo. Je sais pas si vous connaissez ce site. Ça, grosse arnaque. En tout cas, pour ma part, je sens l'arnaque arriver de loin. J'avais commandé une table... Mais sans conviction aucune, hein, vraiment. Elle coûte 100 €, ce qui relativement, pour ce que c'est, si je vous montrais la table, vous serez choqués, ne les vaut pas du tout. Je sais pas, j'ai eu un instinct, mais trop chelou. Quand la commande, elle était encore en préparation, genre 4 jours après que j'ai commandé, j'envoie un mail pour leur demander d'annuler ma commande. Du coup, la commande, elle était toujours en préparation. Et je reçois un mail le lendemain du service client qui me demande pourquoi je souhaite annuler. Et le lendemain, la commande, elle est miraculeusement expédiée. Du coup, je la reçois le surlendemain, donc 3 jours après ma demande d'annulation, ce que j'ai trouvé bizarre. Je la réceptionne et je constate à l'ouverture que la table, elle est complètement rayée, elle est enfoncée. Je sais pas, tu mets pas une table en vente déjà à 100 € et dans cet état, quoi. Donc, la nana m'a re-répondu en me disant que... En gros, quand j'avais demandé à annuler ma commande elle était déjà partie. Alors que pas du tout, j'avais un suivi de ma commande et elle était toujours en préparation. Et que du coup, c'est pour ça qu'ils me l'ont quand même envoyée. Et que maintenant, si je veux me faire rembourser, il faut que je prenne des photos de la table pour montrer qu'elle peut être remise en vente. Et il faut que je fasse une photo du colis avant de l'envoyer pour montrer que le colis est en très bon état aussi. Et que par la suite, quand ils recevront le colis, ils me rembourseront que sous 14 jours ou sinon ils me font un geste de 15% ou genre je peux garder la table et ils me remboursent 12 €. Elle vaut même pas 5 € cette table. Donc j'étais carrément choquée, j'ai envoyé un mail. Mais alors là franchement ils auront mes nouvelles toute leur vie. La table elle a pas bougé, hein. Elle est dans le colis qui est juste ici, je vais vous le montrer. Mais du coup je sais pas du tout les suites. Le retour de la table est à mes frais, sachant que j'ai payé les frais de livraison pour les recevoir. Il faut aussi que je paye les frais de livraison pour la renvoyer. Il est hors de question que je garde ce colis dans mon salon. Let's go guys, pour cette night avec mes cheveux gras. On adore. Peace. Je vous retrouve donc le lendemain après avoir pris une douche et à la bourre as always. Toujours dans un sale état, mais ça va un peu mieux quand même, Dieu merci. Alors c'est simple, hier on a dormi à 6h du mat, je sais pas ce qui nous est arrivé, on était complètement explosés ce matin, à midi on se réveille et la surprise c'est à 14h, là on va arriver pour 14h15, Dieu merci, je sais même pas comment on a réussi à tout faire dans les temps. D'ailleurs c'est notre c'est ma dernière semaine avant qu'Elias ne soit à l'école. En vacances, je dois tout finaliser, je dois tout boucler, je dois faire mon ménage. Comme ça au moins je pourrai passer du temps avec lui et on pourra sortir. En plus c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a plein de trucs. Let's go pour la surprise. Je vais essayer de filmer un petit peu ce moment en famille, en espérant que il sera content. D'ailleurs oui, le cadeau je vous ai pas dit, mais on a acheté à mon frère une pochette Louis Vuitton, vous savez, pour aller travailler c'est pas une mallette mais bref c'est un sac Louis Vuitton là, parce que du coup il en aura fortement besoin là dans son école et j'ai hâte de voir s'il va être content ou pas et de passer son moment en famille. The snow is falling down, I've been longing for this Christmas with everyone around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. Une heure du mat. On s'apprête tout juste à rentrer à la maison parce que du coup on a dîné chez mes parents. Et en fait la journée s'est passée telle que on a fait le goûter et juste après il y a mes tantes qui sont venues, qui ont fait à manger. Donc on a mangé du poulet, sfa, je sais pas si vous connaissez. C'est hyper bon d'ailleurs. J'ai pas pu aller à l'exposition de Gigi, mais je compte y aller demain, je pense dès 14h. Sachant qu'il y a beaucoup de perturbations. En fait,
je suis un peu déconnectée, je savais pas qu'il y avait des grèves, je savais pas en plus qu'il y avait pas de transport parce que du coup je regarde pas les infos et comment ça s'appelle, je prends pas les transports, donc les deux voilà, ça fait que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Et en plus on est parti, il y a eu le mouvement qui a commencé quand on était parti la semaine dernière. Donc on a débarqué là, ça fait une semaine que en fait tout le monde est en arrêt parce que limite il n'y a plus de transport. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais demain il faut que je me motive. Let's go guys, direction la Casa del Sol. Il y a du monde hein, sur la route, en même temps il n'y a pas de transport. Je voulais vous parler des deux produits que j'ai reçus et que j'utilise depuis maintenant une dizaine de jours. Il s'agit de spiruline, source riche en protéines et en antioxydants qui aident le corps à se protéger contre les conséquences du stress oxydatif. Il est recommandé d'en prendre 2 à 6 maximum par jour. Moi j'en prends pas plus de 3. C'est un produit qui m'a été envoyé par Orphytobiologie. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est vert, c'est un peu chelou. Mais ouais, c'est ce que j'utilise depuis le mois d'octobre parce que j'en avais acheté début octobre. Voilà, donc merci Orphyto. Et maintenant, celle-ci je vous la présente plus. Ce sont des compléments alimentaires de chez Luxeol, donc pour la pousse, la croissance et la fortification. J'avais déjà testé en août le programme de 1 mois. J'avais bien aimé, perso j'ai trouvé que mes cheveux avaient poussé et en bonne santé. Du coup j'ai vu qu'il y avait un nouveau programme de 3 mois et je l'ai pris direct, là ça fait à peine 10 jours que j'utilise, donc il me reste 2 mois et demi encore. C'est sous forme de gélules comme ça. C'est à base de roquettes, de prêles des champs, ça favorise la pousse, la croissance, la fortification et ça améliore l'état des cheveux. Alors je sais pas si vous avez testé, moi perso j'ai testé et je trouve qu'il y a un rendu. Après je sais pas si c'est parce que je prends aussi soin de mes cheveux à côté, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une réelle pousse. I like it. Je vous en dirai plus quand ce sera la fin. On est le 15 décembre, ça va faire 1 mois que mon papa est parti. C'est vrai que ça fait chelou là, depuis 1 mois, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu un moment pour faire une pause, se poser, quoique ma maison elle est sacrément en désordre. J'ai à peine rangé hier la cuisine au bout de 2 mois, mais il fallait, franchement c'était primordial et je peux vous dire que je me sens archi bien, ma cuisine elle est archi propre depuis 2 jours. Là aujourd'hui il faut que j'aille absolument voir la galerie de Gigi, donc je sais pas du tout combien de temps ça va mettre pour que j'aille jusqu'à là-bas parce que c'est pas trop à côté. Je voulais vous montrer les produits que j'ai achetés aux États-Unis. Donc j'ai pris quelques produits, entre autres ceci qui n'est autre qu'une boîte de blender de différents formats. Ça coûte quand même 20$, à peu près 18€. J'ai pris cette palette, c'était la dernière. Elle était en promo et en plus elle est magnifique, je vais vous montrer. J'ai touché je crois à 6$, ou 7 même pas. Elle est magnifique. Ensuite, voilà, donc ça c'est pour la palette, c'est All That Glisten. Et j'ai pris aussi de chez Make Up Revolution celle-ci. Hop, vous pouvez le voir. Elle est pas plus belle que l'autre, mais elle reste quand même sympathique. Les miroirs, c'est un avantage de fou. Ensuite, j'ai pris des crayons à lèvres de chez NYX. Donc là, vous avez Natural. Là, c'est Nude Beige. Ça fait un peu marronné, mais ça ne l'est pas. Et en fait, j'avais trouvé des offres chez Ulta de acheter un offert. Donc le L'Oréal Shine en teinte 900. Il est vraiment super beau. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Je pense que vous les connaissez. Ça aussi avait une offre de acheter un offert. J'ai pris la teinte Ivory. J'ai pris ce produit Can't Stop Won't Stop. C'est en teinte chocolate de chez NYX. C'est pour les sourcils. Vous tracez vos sourcils avec la petite brosse qui vous est fournie avec, afin d'avoir un effet genre déstructuré. Je vais pas tarder à m'habiller et je vous embarque avec moi pour cette petite journée folle dingue, ma foi. En espérant que ça vous plaira de passer ce moment en ma compagnie. Let's go! Hey guys, je vous retrouve donc préparée, prête. Donc je m'apprête à me rendre à la galerie. Je vous montre rapidement mon outfit. J'ai mis ces lunettes de chez Quay Australia. J'ai mis cette veste à mon père, ce blazer.
ce pull de chez Stradi, ce jean Levi's dans l'ensemble, voilà, je suis prête, let's go. Il vaut mieux pas que je tarde. Bon, de toute manière, je vous embarque avec moi et je vous partagerai cette petite journée, quoi. Qui c'est qui est en train de jouer dans sa petite chambre? C'est Elias. Bisous, Elias. Fais bisous à maman. I love you. À tout à l'heure. Dieu sait comme je mets jamais d'écharpe. Mais là... Il n'y a que moi qui suis pas au courant qu'il n'y a plus d'essence dans les stations. Du coup, j'ai dû aller dans une station un peu plus loin. Et c'est le centre commercial préféré de mon père. Je suis tellement... Ça me fait tellement mal. I know someday we could finally. Someday we could finally be. Ça me fait vraiment bizarre d'être là parce que c'est là où je suis née, c'est là où mes parents avaient leur premier appartement dans le 10e. Donc ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression de revivre une deuxième vie avec eux. Le trajet, franchement, les gens ils sont horribles. C'était horrible. Je peux pleurer. Comment je vais faire? J'ai envie de faire pipi. Oh, mon ventre gargouille, j'ai rien mangé de la journée. Let's go, guys. Je vous embarque tout de suite avec moi. À part là, qu'est-ce qui te passionne et t'anime dans la vie? J'ai pas beaucoup de temps pour autre chose. Mais vous comprenez rien. Merci beaucoup pour cette interview. On vous retrouve très prochainement. Hey guys, je vous retrouve à la maison avec une dégaine. I know. Demain on est lundi et Elias reprend l'école pour une semaine, après c'est les vacances. Donc j'espère qu'il va pouvoir, ou en tout cas vouloir du moins, supporter la reprise. Là c'est moi qui vais le déposer et tel que je le connais, quand c'est moi qui le dépose, il pleure avant de... Enfin il veut pas rentrer et tout et tout. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer ses vêtements. Il est 1h du mat, ces temps-ci j'ai des insomnies, genre... J'ai du mal à dormir, je réfléchis vachement. J'ai du taf qui m'attend, donc de toute manière j'ai trop de choses à faire. Il va falloir absolument que je le dépose. Vraiment. Ça va faire déjà 4 mois que l'école a commencé, j'ai l'impression qu'Elias il est pas allé tant que ça. Grosse motivation pour début de semaine. Je vais essayer de faire une liste de tout ce que je dois faire parce que franchement je suis dépassée par les événements. Et je sais plus par quoi commencer. Donc je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes là où je me suis arrêtée pour terminer cette année en beauté. En plus... j'ai envie de vous faire 2-3 vidéos comme j'avais l'habitude de le faire en fin d'année. Parce que c'est important de donner de la force et surtout de rester fort. D'ailleurs oui, je vous ai pas dit, mais ouais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais à l'expo de Gigi. D'ailleurs, I'm so proud. Vraiment, je suis tellement fière parce que c'est quelque chose que depuis longtemps... elle travaille dessus et petit à petit, je la vois s'épanouir dans ses projets et... ça me donne tellement encore la force de faire aussi la même chose. Avoir un entourage qui se construit, qui se développe, qui apprend, qui grandit, qui évolue, c'est enrichissant. Ça ne peut que nous donner davantage l'espoir d'un certain côté d'atteindre nos objectifs. Donc ouais, je suis tellement fière, je suis tellement contente que... bah, c'est peut-être qu'une galerie pour l'instant, mais c'est un début. C'est comme ça qu'on
qu'on avance petit à petit. Je pense que je vais essayer de faire une bouffe pendant Noël, vu que c'est férié. Donc à voir, je vais essayer de me motiver pour faire un petit truc sympatoche en famille, comme on avait l'habitude de faire quand il y avait mon papa. Et faut pas perdre les bonnes habitudes, ma foi. C'est comme ça la vie. Et il faut pas se laisser aller, il faut pas se laisser détruire, parce que voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Et c'est vrai que ça fait un mois que ça s'est passé. C'est passé super vite, mais en même temps c'était super long, parce que au bout d'un mois tu réalises que bah t'avais des habitudes que t'as plus, et forcément c'est pas difficile, mais c'est douloureux. Et voilà quoi, tu dois faire avec. Il y a personne qui pourra te dire comment aller mieux, si ce n'est que bah ton ressenti. Et c'est vrai que j'essaye chaque jour de me donner une raison de chaque jour aller mieux, même si c'est vrai que tous les matins je réalise pas, et je suis encore en train de me dire que c'est un cauchemar, que peut-être qu'en fait tout ce qui s'est passé c'était dans ma tête. Et c'est vrai que quand je me réveille, ben j'ai une certaine déception en me disant que non, ça s'est vraiment passé, parce que on s'attend pas en fait à ce genre de choses. On est tellement pris par le temps, pris par la vie, que quand bah tu perds un être cher, tu te rends compte qu'en réalité t'étais aveuglé en fait partout. Et voilà, ça fait mal, c'est sûr, ça fait super mal, mais voilà, la vie elle continue. Et ça m'a fait un vide énorme, surtout à New York, de me rendre compte qu'en fait bah le temps pour moi s'est arrêté, mais les gens continuent de vivre, et enfin voilà, les gens sont heureux, les gens vivent, quoi. Et t'as pas d'autre choix en fait que de toi aussi devoir continuer, mais avec une, comme si je marchais avec une jambe en moins, quoi. C'est la même chose. Chaque chose que j'entreprends, parfois je me dis mais qu'est-ce que papa il aurait aimé que je fasse. Et je suis sûre qu'il me guide d'un certain côté. Je le sens chaque fois que j'avance, que je pense, que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est toujours là. Et c'est ce que je me disais quand j'étais à New York. Au moins, il aura fait ce voyage avec moi. Voilà. Bon, il va falloir que demain, je me motive. Je vous remercie toujours autant de me soutenir et de m'envoyer des messages aussi réconfortants et bienveillants, parce que ça fait un bien fou de savoir qu'on est soutenu et qu'on n'est pas seul. Et pour ça, je serai jamais assez reconnaissante, parce que, enfin, je sais pas, c'est plus que partager une vidéo, c'est plus que gérer des réseaux, c'est vraiment une famille. Je suis touchée d'être soutenue de partout. Quand j'étais à New York, j'étais dans le bateau en train de penser à mon père, et chaque seconde c'était dur un peu quand même, parce que je ressentais un vide et il faisait si beau. Et c'est vrai que je pensais à mon père chaque seconde. Et en sortant du bateau, j'ai été interpellée. D'ailleurs, si tu passes par là, une personne qui regarde les vidéos, qui m'a partagé ses condoléances, et je l'ai serré aussi fort que je serrais mon père, parce que j'avais l'impression que c'était un signe de lui qui me disait arrête de te faire du mal, quoi. Et surtout qui me faisait un coucou à travers cette personne, parce que pour moi il n'y a que des signes, il n'y a pas d'hasard. J'étais loin de me douter qu'il y avait quelqu'un à New York qui allait m'interpeller en me disant qu'elle regarde mes vidéos, et que du coup elle était touchée par la mort de mon père. Et pour moi c'était un signe. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez surtout. Parce que si j'ai un seul regret, c'est ça, c'est de pas avoir dit à mon père combien je l'aime, même si je sais qu'il sait comment je l'aimais. Je regrette de pas lui avoir dit combien, en fait. Je vous retrouve demain, les amis, parce que là, je pense que ma tête en témoigne. Je suis rincée, toute blanche, mais ça ne peut qu'aller mieux. Je pense que ça ira mieux avec le temps, et voilà. Et merci, c'était juste pour vous dire merci, en fait, parce que c'est beaucoup plus que, enfin, c'est beaucoup plus qu'un like, c'est beaucoup plus qu'un partage, c'est beaucoup plus qu'un million d'abonnés.
C'est vraiment touchant. In this wind.